on assiste Alex Van Dor, cet autre numéro de votre émission, invité de Prince sur la plateforme www.connectique.tv. Il faut noter, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, nous serons en direct avec le sapeur-chanteur, Monsieur Martin Pêcheur, que vous voyez, qui a été ingéré du Forum des métiers de la mode et du design. Nous étions en 2014, porté par le maître tailleur Jean-Philippe Azegue. Ça s'est déroulé à Yaoundé. Il sera des nôtres. Il n'est pas en Allemagne, il n'est pas en Suisse. Il est au Cameroun, il est à Douala. Il est arrivé il y a quelques instants, dont nous ferons un petit direct avec lui, si les dieux de la technique sont avec nous en deuxième partie de notre émission. Première partie, nous allons revenir sur l'activité de Frankan à Douala. Nous avons accompagné leur arrivée au Cameroun. Ça s'est passé d'abord à la CRTV, à la matinale, Cameroun Feeling. Et après, c'était Dorette qui les a reçus sur le plateau de Nous Chevaux sur Canal 2 International. Nous aurons aussi l'actualité de Dorette, hein, qui porte pour une fois de plus cette année, ce sera le 23, le festival des femmes, en tout cas africaines, version Miss Ronde et Belle. Nous en parlerons dans cette émission. Et chers téléspectateurs, nous allons tendre également notre micro à celle qui a formé des acteurs au niveau de la critique d'art. C'est elle qui est la promotrice de Douala Art. Nous serons avec elle. Ce n'était pas à Douala, mais c'était à Yaoundé. Marlene Douala Belle sera des nôtres, en tout cas. Vous aurez plein d'autres ingrédients dans notre émission, Invité de Prince. Nous parlerons de la scène de Kiki me voit. Hein, ça va se passer ici. Ce sera demain, hein, du côté du quartier Fouda. Quand on parle mode, c'est notre affaire. Nous reviendrons également sur la première édition de Miss Eco International Gabon. Il faut dire que depuis que nous avons commencé à parler de cette première édition, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Maintenant, les choses se concrétisent. La dernière ligne droite, attention, concentration, parce que hier, le directeur artistique Yves Christian Puiseau, camerounais, qui a promis accompagner cette initiative au Gabon, est depuis hier au Gabon. Et nous avons également un expert des questions de concours de beauté qui réside au Canada, M. Denis Ngono, qui est arrivé au Gabon pour cette première édition de Miss Eco International Gabon. Il faut dire que tout va bon train et les dates, vous les aurez dans cette émission de Invité de Prince. Aujourd'hui, à partir de 20h, ce sera à Niamey, nous allons vivre une autre édition des Miss Niger. Ce sera avec Diobala, M. Diobala, que nous avons reçu il y a deux éditions des Invités de Prince. Aujourd'hui, c'est le grand jour et vous aurez peut-être, pourquoi pas, avec la bande-annonce, les informations de ce côté. Avant qu'on ne s'asseye confortablement, nous voulons vous faire écouter, abreuvez-vous de cette musique bonne concoctée par le showman, le sapeur du monde, Martin Pêcheur. Il nous dit toutes les femmes sont belles. On regarde. Couleurs ne se disputent jamais, ouais. De A à Z, toutes les lettres de l'alphabet sont belles. Par rapport
de la race de glace et non de la race de masse. Pêcheur sera donc dans cette émission invité de Prince depuis Douala. Et il faut noter que c'est quelqu'un qui a révolutionné la danse au Cameroun, très bon danseur. C'est d'ailleurs lui qui faisait partie du collectif qu'on appelait les sapeurs de la capitale avec Okemba. Ils étaient très nombreux. 500 kilos d'amour, Martin Pêcheur. Aujourd'hui, il continue à faire son bonhomme de chemin. Peut-être un de ces quatre, nous aurons encore le collectif, bref, le peu qui reste, pour que nous essayons un tout petit peu d'échanger avec eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais Martin Pêcheur, lui, continue dans
dans l'art. C'est quelqu'un qui est installé en Suisse, Suisse allemande, depuis plus de 20 ans aujourd'hui. De temps en temps, il arrive au Cameroun, il accompagne la sapologie. Comme ce grand événement que nous avons couvert au Cameroun, c'était en 2014, c'était le forum des métiers de la mode et du design. C'est quelqu'un qui faisait des très belles choses, en tout cas, un sapologue en réalité. Donc avec les Gianfranco Ferri, les Bougoumou, c'est aussi vrai qu'il a un frère qui est aussi un sapeur, un sapologue. Hein, il s'appelle Chidiac le Mougou. Hein, il est vraiment Mougou que François. Parfois, on a l'impression que c'est une façon d'endormir les gens. Si toi tu dors, c'est là où il va te corriger, Chidiac le Mougou. Donc, il est au Cameroun. Nous aurons ses couleurs, on aura son actualité dans cette émission. Toujours aussi dans cette émission, nous étions dans les encablures de 8h, entre 8h et 9h. Monsieur Honoré Pascal Ze nous a reçus dans Bon Week-end à la CRTV. Aujourd'hui, avant qu'on finisse, il a décidé de venir nous rendre visite. Il nous parlera également de son actualité. Il n'y a pas que la télé, il y a aussi la radio. Il sera accompagné par une personne qui a fait également la scène avec nous ce matin. On a dit, venez nous rendre visite sur la plateforme Connectique. Cette plateforme Connectique, on est connecté en temps réel partout dans le monde. Ça va se passer. Alors, en début d'émission, chers téléspectateurs, nous vous disions que nous allons vous ramener quelques temps en arrière. C'était à Yaoundé. L'année 2022 n'est pas encore terminée. Elle est partie de Douala pour Yaoundé. Elle, c'est Marilyn Douala Belle. C'est la promotrice du Douala Art. Douala Art. En tout cas, je voudrais qu'on prenne en exclusivité cet échange que nous avons eu avec elle et nous reviendrons juste derrière. À tout de suite. C'est pas une première dans la mesure où cette exposition, je l'ai vu, les œuvres qui sont de cette exposition ont été montrées à l'espace de l'art. Mais j'avoue que j'ai été extrêmement impressionnée par la manière dont les commissaires qui ont pris cette exposition, les personnes qui travaillent avec moi et qui ont monté l'exposition, comment ils ont pris ces œuvres, les ont amenées ici, et l'histoire n'est pas tout à fait la même. Bien sûr que le sujet reste le même, bien sûr ce sont les mêmes œuvres, mais la manière dont ils les ont mises dans l'espace, la manière dont ils ont créé de nouvelles sensibilités, j'ai découvert une autre exposition. Donc je suis très impressionnée. Ils sont pour le départ ? Le départ de ? Mon départ ? Oui, votre départ. C'est pas que je le sens, c'est que je veux, je le revendique, je veux partir. Normalement, je vais partir en 2021, après le sud, je vais avoir en 2021, l'été vide, c'est ravage, donc celui de me juger à rester plus longtemps. Je veux partir. C'est mon montage qui est un montage de 40 ans. Aujourd'hui, c'est un projet de deux. On s'intéresse à une thématique qui pas ce choix. Bien bleu, deux instantanément. La première, c'est que nous avons pris il doit partager avec nous, des yeux, avec les observateurs, avec les visiteurs, ce dont ils témoignent. Parce que ce sont eux qui créent les choses qui se fixent en nous et qui deviennent patrimoniales. Donc, ça, c'est vraiment la première raison. C'était quoi déjà la question ? Le choix de l'hôtel, du prise. Le genre de crise en Normandie ou en Belge existe, mais la crise, c'est ça. Et donc la crise peut dire aux artistes ce dont ils ont besoin, envie de témoigner, sur quoi ils ont envie de témoigner, pour nous offrir à nous l'opportunité de fixer des choses, c'était très important. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes dans une crise. Tout le monde est en crise. La jeunesse, ça c'est pas une particulièrement une crise, toutes ces bons humaines qu'elle ne peut trouver ailleurs. Nous avons besoin de regarder les crises qui nous bouleversent
dans les yeux. Et aussi, et ça c'est un peu plus subtil, et je ne suis pas sûre qu'on ait tout à fait réussi, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas un Crisis 2. Peut-être dans quel moment je ne pas, mais je crois que les jeunes générations aussi ont des choses à dire. Nous avons besoin de parler de crise qui nous traverse ici et maintenant. On est dans un pays qui se cherche, on est dans un pays qui n'a pas réussi à apporter des réponses, surtout à ces millions de jeunes qui sont en train de du travail, soit qui vont dans les établissements scolaires, qui n'ont pas les équipements culturels, qui n'ont rien. Et donc les crises qui nous traversent, il faut absolument que, au travers de ces propos, de ces expressions libres des artistes, elles puissent être lues, vues, discutées. La libération de la parole est extrêmement importante. Pour qu'une société se crée, se constitue, il faut que la parole se libère, il faut qu'il y ait des échanges et des dialogues. Et donc créer cette rencontre entre ces différentes œuvres sur ce thème-là, ça ne peut que aider à la libération de la parole. Quelles sont les crises que vous avez répertoriées, du moins que nous pouvons observer à travers ces œuvres et ces artistes de sélection? Alors, évidemment, celle qui traite de ce qui se passe à l'extérieur du Cameroun, Boko Haram et toutes les violences humaines. Ce qui est intéressant dans le travail d'Alioune, si je me mets à parler de chaque œuvre, je vais en avoir pour des heures. Mais quand même, ce lien que Alioune fait entre les armes et l'art et l'argent, les morts, les corps qui sont exposés avec des personnes qui, en apparence, sont joliment vécues, mais qui en réalité portent des armes à la main, et pas forcément celles qui s'auto-bardent, qui s'auto-mutilent, mais aussi celles qui financent tout ça, et qui, quand on les voit, ressemblent plus sur tout le monde, ou peut-être même mieux que tout le monde. Il y a aussi des violences qui sont faites sur les corps des femmes. Je trouve que le travail de Max Gourgain est vraiment très très intéressant. Max vient du Sud-Ouest, il arrive à nous faire lire dans ce travail très graphique de ces femmes, il arrive à nous faire lire comment d'un côté les femmes peuvent être encore une fois exposées, mais là c'est la violence du viol, du corps qui disparaît. De cette femme qui est baillonnée avec baillons militaires, tissus militaires, ou de cette femme qui a reconstitué toutes ses épines, elle fait comme si elle attachait ses cheveux tout simplement, qui sont un peu en désordre parce qu'elle a vécu des choses difficiles, et elle a cette arme qui est le bâton qui retient les cheveux, et c'est son arme de défense. Il y a la violence, la défense des femmes, les violences contre les femmes. Il y a beaucoup de violences. Voilà une histoire encore entre deux frères qui viennent de la même région, Sud-Ouest, qui sont habillés avec des migues, parce que la pauvreté est là, qui est une grosse violence, mais elle leur appartient, ils la vivent. Mais derrière ces deux frères que l'on voit avancer, il y a un qui a pris un chemin qui va vers la prison, qui l'emprisonne, et l'autre qui pleure, c'est-à-dire il y a cette douleur de la séparation des deux personnes qui n'ont pas pris le même chemin, etc. Il y a beaucoup, je pourrais parler de chacune des œuvres pendant des heures, je ne sais pas si on en a eu. Alors moi j'ai envie de savoir, il y a presque 20 ans, on va dire 16 ans plus exactement, parfait là, signalé. Avant on n'avait pas des espaces, moi j'ai participé à cette formation sur la critique d'art à l'Institut Goethe. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite du travail que vous avez fait, qui est, pour moi, est bon? Je suis satisfaite de ce qu'il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de désirs, et je suis aussi satisfaite de ce que ça peut se passer en dehors de nous. Il y a de plus en plus d'acteurs aussi, et ça c'est magnifique, parce que le développement, quand je faisais mes études de développement, on me disait toujours, le développement, c'est la multiplication des acteurs. Le secteur, la scène artistique, le secteur culturel est en plein développement. Et je pense qu'on a été effectivement acteurs, mais pas les seuls. On a été ceux qui ont créé la résistance pour faire le lien entre hier et aujourd'hui.
Oui, je suis satisfaite de ça. Maintenant, concernant l'art spécifiquement, je pense que nous n'avons pas les moyens d'aller aussi vite qu'on aimerait. On est un petit peu comme l'ordinateur. On donne un ordre à l'ordinateur, il y a un temps de décalage, et ensuite, il commence à répondre. Nous, on pense très vite, on a beaucoup de choses dans la tête, mais on n'arrive pas à les mettre en mouvement aussi vite que la manière dont on les pense. Donc là, il y a un peu de frustration. Est-ce qu'il y a une proposition ? Une proposition pour que ça puisse aller mieux ? Oh ben, ça tient de l'argent, hein. C'est-à-dire que nous avons besoin de plus de compétences. Et ces compétences, elles sont payées à un prix plus fort que ce dont nous disposons. Nous avons besoin d'avoir des personnes qui ont pu aller aussi dans des systèmes d'éducation à l'art. De manière, c'est comme le guitariste, tant qu'il n'a pas été à l'école, il va avoir, tout le temps il va tomber sur le même problème. Mais si quand il a été à l'école, à un moment donné, il a vu le problème, il arrive à trouver la solution pour le surmonter. Ah, merci beaucoup. Moi, je reviens à la question sur les artistes aussi. Nous étions ici à Yaoundé, au Centre international de recherche du patrimoine et des arts, le CIRPA en tout cas. Elle était donc la figure de proue, l'invitée à cette rencontre artistique, Marilyn Douala-Belle, voyez-vous. Nous allons essayer de rentrer en contact avec Martin Pêcheur qui est à Douala à l'instant, nous l'avons dit depuis le début de l'émission, mais avant cela, on va se prendre une autre de ses chansons. C'est d'ailleurs sa chanson qui a fait en sorte que, en solo, qu'on sache qui est Martin Pêcheur parce qu'il a fait un featuring. C'est lui qui commence des featurings avec les artistes Bikutsi. Ça, l'histoire devrait le reconnaître. Mélanger la sapologie, sa musique ambiancée avec une puriste du Bikutsi, ça n'a pas été fastoche. Pourquoi tu m'amènes la police ? C'est la chanson qu'on regarde. À tout de suite. Let's go. Judas est mort. Mais ses disciples continuent son œuvre. La trahison. Tu m'envoies la police.
Tamara Genève et Falafoué et Mebizo. Voilà, retour sur le plateau. C'est un peu comme le Brésil, c'est un peu comme la série que nous avons eue juste après le match. Il disait que le Brésil sera fouetté par les Camerounais. Donc Martin Pêcheur avec la Coupe du Monde, là, il disait on va participer. Mais bon, ça donnait ce que ça donnait. On va essayer donc de rentrer en contact avec lui parce qu'en temps réel, il est à Douala. Martin Pêcheur, dis-nous ton actualité, dis-nous ce que tu fais à Douala maintenant parce qu'il y a Yaoundé t'attend. C'est parti. Qui sont connectés par Prince, le prince du show et du business, l'incontournable en Afrique, Amérique, Europe, Asie, dans ce qui concerne la salle, ce qui concerne les fashion style, ce qui concerne, que dirais-je, les défilés de mode au Cameroun, depuis des décennies, il est le tenant du titre, suivez-le attentivement, il a toujours bossé avec Martin Pêcheur, et je vous donne rendez-vous là tout à l'heure. Celui qui manque cette émission ne pourra pas payer la dette de ses yeux. A bientôt. Ciao. Et voilà donc pour ceux qui veulent me contacter, justement avec les problèmes téléphoniques, les coûts de téléphone au Cameroun là. Et ceux qui voudront me contacter depuis l'Europe, l'Amérique, l'Asie, de partout dans le monde entier, ils passeront par mon WhatsApp qui est 0041. 78 660 48 98, je reprends, 0041 78 660 48 98. C'est un numéro suisse, mais le WhatsApp il est international. Justement, mon organigramme pendant ces fêtes, ce mois de décembre, je finirai d'abord avec les enregistrements en studio. Ensuite, j'enchaîne avec les vidéogrammes, justement pour le comeback dont je vous parle, la reprise du pouvoir. Et après ça, je verrai avec la famille et la fête aussi avec les fanatiques du Cameroun tout entier, de l'Afrique tout entière et du monde entier. Pour mon comeback, on va accélérer, on va célébrer, on va faire la fête. Question de sapologie, griffologie et musique. Et tous les messages et l'ambiance, comme vous savez. Ciao. Voilà, merci donc Martin Pêcheur, tu as donné l'actualité, tu as dit comment ça se passe en tout cas. Merci pour ce clin d'œil en temps réel, quand tu es de passage au Cameroun, on a la primeur. Nous étions en direct de Douala en temps réel, géolocalisable Martin Pêcheur, le sapeur du monde en tout cas. Alors, on va se prendre une page en couleur, on revient juste derrière. À tout de suite. L'agence de presse débarque de nouveau sur la plateforme www.connectique.tv avec deux magazines de choc. Le premier, Boulevard Cinéma. Pertinent et je dis félicitations. Je suis étudiante en première année de communication pour le développement. Le deuxième, Scène Mode Afrique. Attention, le 7e art est notre affaire, comme la mode est également notre affaire. À votre demande, souscrivez le Métro Programme
l'invité de Prince. Numéro de téléphone 699 32 97 19. Attention, à votre service nous sommes. Hôtel Jouvence International, c'est d'abord l'hébergement. Des chambres spacieuses, au standing, équipées du matériel de luxe. Single, double et suite résidentielle. Avec écran plasma smart, connecté sur internet haut débit. Avec balcon, puis sa restauration. Tenue par des grands chefs qui vous offrent une cuisine africaine et européenne. Son bar. Hôtel Jouvence International, c'est aussi ses espaces pour tous vos services événementiels. Une salle modulable pour vos séminaires, mariages et autres. Une salle de sport et une piscine où sécurité rime avec expérience. Jouvence Hôtel International est situé au quartier Fouda, Yaoundé. Entre Total, du rond-point Fouda et ex-siège Isakam. Téléphone plus 237 691 620 422 651 55 65 13. Info @ Hôtel Jouvence International. Site web www.hoteljouvenceinternational.com. Jouvence Hôtel International pour un service royal. Mademoiselle? Mademoiselle? Pour recevoir un service à bord à la hauteur de vos exigences, si vous pensiez à Afrijet. Afrijet, voyagez au cœur de l'Afrique centrale avec un vrai sens du service. Et pour vos réservations, visitez notre site internet www.flyafrijet.online. Afrijet, le cœur de l'Afrique vous est ouvert. 5, 4, 3, 2, 1. L'agence de presse débarque de nouveau sur la plateforme www.connectique.tv avec deux magazines de choc. Le premier, Boulevard Cinéma. Pertinent et j'ai dit félicitations. Je suis étudiante en première année de communication pour le développement. Le deuxième, Scène Mode Afrique. Attention, le 7e art est notre affaire, comme la mode est également notre affaire. À votre demande, souscrivez le métro programme L'invité de Prince. Numéro de téléphone 699 32 97 19. Attention, à votre service nous sommes. Hôtel Jouvence International, c'est d'abord l'hébergement. Des chambres spacieuses, au standing, équipées du matériel de luxe. Single, double et suite résidentielle. Avec écran plasma smart, connecté sur internet haut débit. Avec balcon, puis sa restauration. Tenue par des grands chefs qui vous offrent une cuisine africaine et européenne. Son bar. Hôtel Jouvence International, c'est aussi ses espaces pour tous vos services événementiels. Une salle modulable pour vos séminaires, mariages et autres. Une salle de sport et une piscine où sécurité rime avec expérience. Jouvence Hôtel International est situé au quartier Fouda, Yaoundé. Entre Total, du rond-point Fouda et ex-siège Isakam. Téléphone plus 237 691 620 422 651 55 65 13. Info @ Hôtel Jouvence International. Site web www.hoteljouvenceinternational.com. Jouvence Hôtel International pour un service royal.
sous le bon parrainage du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Hamid, du soutien indéfectible de M. Issaka Ali Ousmane, DG de HSF et conseiller spécial du président de la République, le Comité présente la finale de Miss Niger 2022. Elles sont toutes belles. Elles viennent des 8 régions du Niger à la conquête de la couronne de la beauté nigérienne. Miss Niger 2022. La grande finale, le samedi 10 décembre 2022, dès 20h, dans la grande salle du centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. 15 belles filles des 8 régions du Niger sur le même podium pour la couronne de Miss Niger 2022. Préparez-vous à vivre la plus belle nuit de beauté féminine nigérienne. Chers partenaires, mobilisez-vous à soutenir nos ambassadrices de la beauté nigérienne. Infoline 88-81-0001. Sponsor, partenaire officiel et concours de beauté du comité d'organisation de Miss Niger, Comini. Miss Niger, un événement que va la condition. Voilà, retour sur le plateau, chers téléspectateurs. L'actualité est dense. Il faut dire que ce soir, dès 20h, ce sera une autre édition de Miss Niger. Nous devrions y être, mais bon, c'est un peu compliqué. L'actualité est hyper chargée parce que dans quelques heures seulement, nous avions annoncé la semaine dernière, nous pourrons être du côté de Boya pour commencer le tournage des images avec tout ce que l'architecture allemande a pu laisser comme relique au Cameroun, on peut dire ça comme ça. Et les jours qui suivent, puisque nous avons commencé l'actualité avec la dernière ligne droite avec Miss Eco International Gabon. Je vous le disais, le directeur artistique Yves Christian Puiseau est déjà au Gabon, il est au Gabon depuis hier. Et il y a également l'attaché, on dit l'expert en question de concours de beauté, M. Denis Ngono, qui réside au Canada, qui est déjà du côté du Gabon. Alors, pourquoi ne pas vous parler de l'autre édition de Miss Ronde et Belle de Dorette, comme je le disais d'entrée de jeu. L'édition de cette année, la finale se passera à Yaffé. Ça sera le 23 décembre 2022. Au moins 25 candidates qui ont été sélectionnées à Douala et à Yaoundé, à l'Ouest Cameroun. Et il y a eu au moins 250 candidates qui ont postulé. Hein. Depuis pratiquement 3 semaines, ces candidates suivent des répétitions coachées par Yves Christian Puiseau qui s'est départagé. Hein. Du côté de la piscine de l'hôtel Jouvence International, notre partenaire, évidemment, ici au quartier Fouda. Donc tout va bon train. Si vous voulez participer comme annonceur, pourquoi pas maintenant, les portes du comité vous sont grandement ouvertes. Tout simplement en prenant le numéro qui se trouve au niveau de l'affiche. Hein. Forcément, nous reviendrons avant le 23, vous donner les dernières informations concernant Miss Ronde et Belle de Dorette. Il faut dire que cette année, c'est notre accompagnement. L'Institut de beauté Francane a décidé de déployer son savoir-faire qui est camerounais. Cette structure est née en France. Il y a 2 semaines, elle est revenue au Cameroun pour pouvoir trouver l'emploi, lutter contre le chômage au Cameroun, trouver l'emploi pour les jeunes. Donc l'Institut Francane a décidé d'accompagner l'édition 2023 de Miss Ronde et Belle. L'événement qui va se passer demain, ce sera ici même au quartier Fouda, sous le thème colonne vertébrale. Bien se vêtir, c'est le même procédé que d'entretenir une bonne colonne vertébrale pour le sapologue. Il s'appelle Kiki Mouvoi en tout cas. Il nous montrera ce qu'il sait faire parce que chaque année il a son événement. Nous y serons à partir de 16h demain au centre, ça s'appelle au complexe Souza Center face au hôtel Méli Mélo ici au quartier Fouda. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'amples informations, vous composez le 699 435 089. C'est important de le souligner. Alors, il y a une autre information capitale que je disais. Je dois vous passer aussi le contact, si les dieux, si la technique nous le veut bien. On va trouver le contact de... Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. À présent, on va repartir à Douala, chers téléspectateurs. C'était il y a 2 semaines. 2 semaines, c'était un samedi. On a fait un décrochage avec Françoise. Nous allons nous arrêter sur certains, on va dire, arrêts majeurs. Certains points forts de cette rencontre.
cette cérémonie qui marquait l'inauguration officielle de l'Institut et surtout le lancement officiel de la gamme de produits Francan. Douala, c'est tout de suite. C'est une fratrie, on va dire, de quatre sœurs. Il y a Françoise, il y a Sandrine. Bref, elles sont trois du côté de la France. Et au Cameroun, il y en a une autre, Patricia est du côté de Douala. Donc, voilà comment la cérémonie s'est passée il y a deux semaines. Et c'était les produits Francan, ces produits qui vont accompagner l'édition 2023 de Miss Rondebelle de Dorette. Ces candidates auront le privilège d'utiliser pour la première fois des produits made in Cameroun. C'est des Camerounais, c'est un savoir camerounais qui est condensé dans ces boîtes, dans ces pots. C'est des produits des cheveux, des produits de la peau surtout, tout ce qui concerne tout type de cheveux. C'est des professionnels et elles sont aussi pour la coiffure. Hein. Ça, nous sommes à Douala, à Makepe, Carrefour Lycée Makepe. C'est là où il y a l'Institut Francan. Donc, ce jour, c'était le lancement officiel. Et nous avons eu, comme ça, entre autres, les discours des invités. Et nous allons nous arrêter un temps soit peu sur les fondatrices, on va dire les co-fondatrices. Voilà, nous voyons Pat en roadman, elle a les cheveux, tout ce qui concerne les cheveux. Nous avons Françoise, qui, il faut le dire, vu en télévision, CRTV, également Canal 2 International, est passée, elle a perdu sa vue du jour au lendemain, pendant le Covid. Elle s'est levée le matin, elle ne pouvait plus voir, sauf que le projet qui lui tenait à cœur, elle ne pouvait pas dire qu'elle arrête, elle continue ce combat. Donc, les sœurs ont lancé ces produits et elles voudraient d'abord que ces produits soient utiles pour les Camerounais, d'abord, en plus pour les Africains. Avec la complicité d'Alex, on va prendre certains avis. Voilà, Sandrine, on écoute. Anne. Plus, dans tout ce qui est communication et qui connaît bien la production des produits, je vous laisserai qu'elle vous explique plus cette partie, parce que c'est une partie qui la concerne. Depuis 2011, on est basé sur le 11e arrondissement de Paris, donc entre Nation, Bastille et République. Dans le métro, c'est la ligne 2 vers la chaise. On a pensé au Cameroun, qui est notre cher beau pays. On s'est dit, bon, ben voilà, il faut qu'on fasse aussi une structure au Cameroun. On ne va pas rester à l'étranger. Il faut déjà savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, on est venu au Cameroun, on a fait cette structure qui est basée à Makepe, à l'entrée du lycée Makepe, qui est dirigée par l'une des sœurs, parce que je tiens à préciser que Francan, c'est une structure familiale d'abord. Et c'est des sœurs. C'est comme ça qu'on est parti à créer notre structure, qui est notre main. Donc moi, je suis Anne, la coiffeuse, et Françoise, c'est ma sœur, qui s'occupe de la partie com. Là, je vous ai présenté la gamme pour les cheveux. Maintenant, je vais passer aux deux derniers produits qui concernent l'esthétique. Pourquoi ? Parce que nous faisons aussi de l'esthétique. Même l'Institut Francan qui est à Paris, nous avons le côté esthétique qui est assuré par Sandrine. Donc, nous avons la gamme pour les mains. À force de laver nos mains, il y a du calcaire dans l'eau.
cire d'abeille. Vous avez la cire d'abeille dedans. Vous avez le beurre de karité, encore ce fameux beurre de karité. Vous avez le beurre de cacao, l'huile de jojoba pour réparer vos mains. Vous avez le baume pour les lèvres. Que vous voyez à l'aide, je vous en prie.
et à toute l'équipe des cosmétiques Fancan. La chefferie du village Makepe 2 et 3 par ma voix vous souhaite la bienvenue sur cette terre. Et je profite de l'occasion pour féliciter et encourager Françoise et Anne pour ce projet, cette initiative entrepreneuriale, leur investissement dans la beauté corporelle et qui agit aussi sur la beauté intérieure donc spirituelle. Nous sommes heureux au village de Makepe de les accueillir et heureux que leur choix soit porté sur notre village comme hôte de cette entreprise que nous voulons rendre. Un autre remerciement toujours à l'endroit de ces deux entrepreneurs femmes, c'est pour la création d'emplois. Et nous espérons que de ce côté, dans l'effectif des employés de ces cosmétiques, on compte non seulement les enfants résidant au village Makepe, et particulièrement quelques autochtones qui soient aussi représentatifs, pour qu'ils contribuent à l'effort de la production de la richesse de cette maison. Je vais... Voilà donc, retour sur le plateau, chers téléspectateurs, notre émission s'achemine déjà vers la fin. Vous l'avez constaté, nous ne pourrons pas voir M. Honoré Pascal Zé, notre invité. L'émission est terminée. Nous revenons donc de Douala. C'est notre façon à nous d'accompagner l'initiative jeune, l'entrepreneuriat jeune, surtout dans le secteur des industries de la mode. Autrefois, on parlait des marchés du futur, hein, les marchés du bien-être. Et aujourd'hui, nous les vivons, en tout cas. Donc, lorsque une fratrie comme celle-là s'engage depuis des années, ils ont commencé à Paris. Et maintenant, la famille arrive au Cameroun et c'est de bon temps que Sa Majesté, Monsieur le Maire, les autorités partent accompagner cette initiative. Alors, après l'étape inaugurale, le 23 décembre, Fancan fera corps avec l'édition 2023 à Yaoundé, en fait, de Dorette Zoku, l'édition concours Miss Ronde et Belle. Donc, tout ce qu'il y a comme cheveux, les candidats cette année auront ces bonus-là. Et en même temps, cette structure a décidé de primer la Miss, hein, avec tous les produits, la gamme de produits Fancan, la Miss et ses deux dauphines. Donc, c'est quand même un bon paquet que nous saluons, une bonne initiative que nous saluons et que nous décidons d'accompagner. S'il y avait plus de moyens, il y a eu la volonté, mais pas de moyens. Fancan devait également accompagner la première édition de Miss Eco, hein, Gabon, Miss Eco International Gabon. Hein, ce sera peut-être pour la deuxième édition, pourquoi pas, parce que cette année, c'est une édition essai qui va confirmer le savoir-faire du Gabon, puisque le Cameroun accompagne le Gabon à organiser cette édition. Alors, concernant ce qui accompagne cette initiative, l'Hôtel Jouvence International a décidé aussi d'accompagner cette édition de Miss Eco International Gabon parce qu'ils se disent c'est à l'étranger qu'on prend des références pour un bon séjour dans un hôtel 3 étoiles. Donc ça ne peut se passer qu'à Jouvence International. Comme premier lot du Cameroun, hein, l'Hôtel Jouvence pourra accueillir la Miss, pourquoi pas avec ses deux dauphines, pourquoi pas avec le comité d'organisation, pendant un bon bout, hein, au niveau de Yaoundé. Donc, le Gabon, Yaoundé, c'est la porte à côté avec l'hôtel international Jouvence. On va se quitter avec cette information, une fois de plus, avec qui me voit. Ça va se passer demain, Kamar. C'est un défilé, c'est une performance, c'est l'homme à tout faire, c'est quelqu'un qui a l'oxygène et surtout qui l'associe l'édition de demain lorsqu'il sera 16h à la colonne vertébrale. Quand tu tiens bien ta colonne vertébrale, tu peux bien te saper. C'est avec cette vidéo qu'on va se séparer. Je veux dire merci à Jordan, je veux dire merci à Alex, à toute l'équipe qui a concocté cette émission. Merci à Martin Pêcheur qui a eu le temps
d'arrêter un peu sa répétition pour nous prendre en direct du côté de Douala. Il y a un grand ami qui a commencé à Yaoundé, maintenant Bazar Douala, Max Bebel, qui nous regarde. Il me dit, Prince, c'est le feu, quoi. Hein, tu as commencé à 8 heures, tu as eu environ 6 minutes de télé, tu viens faire un direct. Après, lorsqu'il est 10 heures, on te voit sur une autre fréquence. Hein, c'est que tu bosses. Je ne peux que faire ça. Et à votre service, je resterai, chers invités de la télé, en tant que téléspectateurs. Nous serons donc le 16 et nous serons à Gabon Télévision pour la finale de Miss Echo International Gabon. Le 17, vous saurez qui est la Miss et dès cet instant, le dossier sera porté par la présidente de Miss Echo International Cameroun qui nous regarde aujourd'hui depuis la France au gré Fortunata. Oui, donc le directeur artistique est déjà du côté du Gabon. Monsieur Denis Omba, consultant spécial qui réside au Canada, est déjà du côté du Gabon. Nous autres, on arrive bientôt, oui, très bientôt. On va se dire bonjour, bonsoir. On se retrouvera samedi prochain, s'il peut être à Dieu, hein, parce qu'on ne sait pas comment les choses se passeront. On se sépare donc avec ces images de Camar. Ciao, ciao.